Le président. The trial chamber now declares the continuation of our proceedings. Nous reprenons l'audience et les débats. This morning, ce matin, before we continue avant the de poursuivre proceeding of questioning the accused, les débats relatifs à l'interrogatoire de l'accusé concernant la création du bureau S21 et de la prison de Takmao, la chambre communiquer sa décision relative à la prolongation du délai concernant la mise en liberté de l'accusé. On 1st April 2009, the trial chamber received la chambre refers to the request for release reçu made by une the demande defense. Formulée par la défense. In accordance with rule 82, conformément à la règle 82.3 du règlement intérieur, the chamber la shall chambre as soon as possible décidera and in any event, no later than statut 30 après days. Avoir entendu l'éco-procureur, l'accusé et son avocat, elle se prononce dans les plus brefs after délais et au plus tard dans les 30 jours de la demande. Oral request or application, donc, unless circumstances justify à moins que les circonstances ne justifient period. Un délai supplémentaire. The chamber notes that la chambre the request is based a noté que la requête on the est basée entre autres sur l'allégation selon laquelle la détention de l'accusé est prolongée and that the detention de manière at the ECCC is a exagérée et of the la détention by the court. Au CETC in order to assess these claims, s'inscrit dans la continuité de la détention par le tribunal militaire afin d'évaluer ces requêtes. La chambre de première instance considère qu'elle a besoin de consulter le dossier du tribunal militaire. Le 26 mars 2009, poursuit le président. The chamber requested la chambre through the office of the administration a demandé the par le biais du bureau d'administration du tribunal militaire de lui fournir le dossier relating to relatif the detention à of the accused la mise by the en détention court. De l'accusé par le tribunal militaire. It was on the 6th of April, corrected by the President. Le président se corrige. On the 6th of April 2009, the chamber requested through the office of the administration the military court to provide it with a case file relating to detention of the accused by the military court. À la détention de l'accusé par le tribunal militaire. Le 10 avril 2009, le président de la chambre a reçu un exemplaire du dossier du tribunal militaire par le biais du bureau d'administration. Le dossier est entièrement en langue khmer et a été envoyé pour être traduit en anglais et en français. Le groupe de traduction a informé la Chambre que la traduction du dossier en anglais et en français sera prête le 15 mai 2009. Par ailleurs, la Chambre note que des observations écrites en soutien à cette requête ont été versées, ont été déposées par la défense en khmer et en français le 10 avril 2009, à savoir 10 jours après la demande de départ. Enfin, la Chambre a noté que la pause d'une semaine du 13 au 17 avril 2009 ainsi que la pause du 1er au 15 mai 2009 donc, aura lieu suite à la réception des traductions du
dossier du tribunal militaire, les parties disposeront de 10 jours pour transmettre leurs observations. En conséquence, afin de permettre à la Chambre de disposer de et aux parties de disposer de suffisamment de temps pour répondre et pour permettre à la Chambre de formuler une réponse motivée et éclairée, il est décidé que des circonstances existent justifiant une prolongation du délai pour une décision sur la requête de mise en liberté de 45 jours supplémentaires. La Chambre rendra sa décision relative à la demande de mise en liberté d'ici le 15 juin 2009. The President. Le Président. Next. Viviana resumed our questioning. Nous allons reprendre l'interrogatoire de l'accusé. Security guards. J'invite les gardes de sécurité à amener l'accusé à la barre. Le Président, je vais maintenant passer la parole à M. Juge Yasakon pour lui permettre de poursuivre l'interrogatoire de l'accusé. Judge Yasakon, thank you. Du Juge Yasakon, je vous remercie, M. le Président. Monsieur le Président, je pense qu'il y a eu à nouveau une difficulté d'interprétation hier soir, last night, après avoir fait le point avec l'accusé. Je souhaiterais qu'on lui demande de repréciser ce qui a été dit concernant les relations horizontales et vertical. Qu'est-ce qui a été dit en Khmer et qu'est-ce qui est traduit? What has been translated concerning these two points? Je souhaiterais que qu'on revienne sur cette question. That we get back to this point. Le Président. The floor is now for Judge Cartwright. J'invite Madame le juge Cartwright à intervenir. I just want to comment to the accused that it would be very helpful for translation purposes if he were to go very slowly and to keep his answers short and not give a lot of examples. Would you be able to try to do that? Que ces réponses puissent être courtes, si vous voulez bien observer ces recommandations. Je vous remercie. Mr. François Roux, le Président, Maître Roux, do you still want the accused to souhaitez-vous que l'accusé the system of communication puisse vérifier le système de communication, horizontal lines, puisse revenir sur le système d'organisation, à savoir horizontal et vertical. What he raised yesterday was that it was clearly stated in the Khmer language on the mechanism hier, bien, en tout cas, of the administration system through the vertical and horizontal lines, à savoir les voies à la fois horizontales, verticales. Cependant, due to his response, étant donné he included a number of examples taken from a document, un certain nombre d'exemples, up to the point where the co-prosecutors raised that question in response. Jusqu'au moment où because le co-procureur lui a raised, not on the issue posé of the document. For this person, ici, on ne se base pas sur facts. Les documents relatifs
Translation issue, there might be problems, but in the Khmer language, it was clearly stated. Mais en tout cas en Khmer, les faits ont été clairement établis. There were also examples to accompany des exemples ont également illustré les mechanisms, propos portant sur les mécanismes de communication. Confusion or misunderstanding on the use of the documents to provide those examples. Un problème de compréhension sur les documents et les communications avec les documents. C'est le point que Madame le juge Cartwright vient de soulever, à savoir inviter l'accusé à ne pas fournir trop d'exemples qui auraient pour résultat de poser des problèmes de compréhension et qui introduiraient plus grande complexité dans la déposition, prendrait plus de temps également et qui rendrait les choses plus compliquées pour les interprètes, pour leur permettre de faire leur travail. In a delay process from first from Khmer into English and then from English into the French language, then there might be some losses. Et donc là, ceci peut introduire une perte. Might be lost. In dans certains cas, jusqu'à 50% de perte. More percentage might be lost and it might interfere with the rendering of fair justice. As you also have said yesterday, une proportion plus importante sera perdue et donc on n'arrivera pas à and the chamber procès équitable. Will discuss this issue la tomorrow, question a été soulevée hier et tomorrow morning, la Chambre in order to discutera make a clear de decision cette question cet après-midi et demain de manière à pouvoir rendre une décision the proceedings on the avant the de next démarrer fact le débat in order to make it more sur appropriate. Le point suivant à l'ordre du jour. Now let me reconfirm his statement as you would like. Mr. François permettez-moi de vous poser la question, Maître Roux. Est-ce que vous souhaitez que l'accusé reconfirme sa déposition? Je vous en prie. Mr. Roux. Oui, Monsieur le Président. Je souhaiterais que l'accusé reconfirme sa déposition sur la nature des relations dans le Kampuchea démocratique et dans les systèmes de sécurité. Le Président, M. Kangek-il, comprenez-vous l'objet de l'intervention de votre défense? Oui, maintenant je vais vous inviter à répéter, à revenir sur votre déposition. Allez-y. Je vous remercie, M. le Président, dit l'accusé. La vérité dans le Kampuchea démocratique, In particular, at this moment, et en particulier I may say, à l'époque, je dirais, task. Eh bien, concernait Was not done la sécurité. Cette tâche n'était pas réalisée par la nature horizontale des communications hier. Je n'ai pas fait d'erreur, mais ce matin, mon conseil de la défense a noté qu'il y avait un problème de traduction, à savoir qu'il y avait eu une communication horizontale, mais tel n'était pas le cas. Et j'aimerais prendre cet exemple simplement pour répéter qu'il n'y avait qu'un système vertical du niveau de la tête au niveau de la tête, au niveau des zones et des districts. Et donc, l'organisation dans le Kampuchea démocratique n'était pas organisée de manière horizontale entre les bureaux de sécurité. Donc, c'est sur cela que je voulais revenir. Le Président, Judge Yasakon, you can now take the floor. Maître Yasakon, vous pouvez prendre la parole. Monsieur le juge Lavergne, je remarque que vous voulez intervenir.
Oui, je souhaiterais qu'on soit particulièrement clair sur ce point, puisque pour moi, c'est complètement l'opposé de ce que j'ai entendu hier. Exactement l'opposé. Donc, j'aimerais savoir s'il s'agit véritablement d'une erreur de traduction ou s'il s'agit d'un problème de compréhension ou d'un problème de cohérence dans les propos même de l'accusé. Donc, je souhaiterais que soit vérifiée la teneur des transcripts en Khmer. Thank you. Entendu hier, c'est qu'il y avait des possibilités de communication horizontale entre le centre de sécurité à centre de sécurité. Et aujourd'hui, ce que je comprends, mais peut-être aussi est-ce compliqué à comprendre, c'est qu'il n'y a que des communications horizontales, c'est-à-dire dans un sens hiérarchique. Il n'y a pas de communication possible au niveau horizontal. Monsieur le juge, si j'ai insisté sur cette question, c'est qu'elle a été longuement débattue chez les juges d'instruction et que chez les juges d'instruction, vous le retrouverez dans les procès-verbaux, l'accusé a toujours dit qu'il n'y avait aucune communication entre les différents centres de sécurité, que tout se passait de manière verticale, c'est-à-dire du bas vers le haut. Nous avons eu de longs débats chez les juges d'instruction. J'ai donc été surpris, comme vous hier, dans mes écouteurs, d'entendre le contraire. Et je crois que le procureur a eu la même surprise que moi. Alors, je voudrais juste vérifier, comme vous, que disent les transcripts hier. Ce n'est pas ce qui a été dit au stade de l'instruction, c'est ce que l'accusé a pu dire hier à l'audience. We're speaking about what the accused said yesterday during the hearing. The President, Judge Yasakon, you can now proceed with your questions. Monsieur Yasakon, Judge Yasakon, thank you, Mr. President. Juge the accused. Yasakon, merci, Monsieur le Président. Yesterday, you stated that Monsieur l'accusé, hier, vous avez the letter dated on the déclaré 30th of June 1976 and the letter dated on 76, the 9th October 1975 et de la lettre datée d'octobre 75 n'était pas scellée ou n'était pas signée. Quelles étaient ces lettres? Est-ce que ces lettres étaient incluses dans le dossier? L'accusé. This letter was decision from cette the lettre était une standing committee of the party. These two letters, the co-prosecutor also used in parties, the final et submission. Le co-procureur l'a utilisé dans son réquisitoire définitif et également dans son réquisitoire introductif. Sorry, the closing order. Dans l'ordonnance de renvoi. Se corrige l'interprète. Il y a Merle, comme son anignat, il y a Merle.
L'accusé poursuit. Puis-je prendre un instant pour reprendre ces documents de manière à vous communiquer la référence? Your Honor, if I can assist with the document number and the ERN numbers in all three languages, si and je it, puis me permettre de vous aider à retrouver les numéros ERN dans les différentes langues, it is part of the case file. Cela fait partie it was filed in the introductory submission, the final submission, and the closing order. It is document introductory submission annex C, document 6.2, document 6.3, I'm sorry, 3, and in Khmer. The ERN number is 00031363 to 3142. In English, 00182 809 to 814, and in French, 00224363 to 367. And perhaps I can give also the title of the document in English, which is Decision of the Central Committee regarding a number of matters, concernant un certain nombre and the date is the 30th of March 1976. En date du 30 mars and in relation to the other document, if your honours will give me a moment, we can provide the same information for that. Eh bien, je peux vous donner des informations relatives à ce second document, si vous voulez bien me donner un instant. Peut-être pour celui d'octobre, François Roux, maybe concerning, les références en Khmer, the document of October, the Khmer references are 30 08 108 jusqu'à 30 0 1 9 1 9 1 2 6 sous votre contrôle, Monsieur le Procureur. Which you can check, Mr. Prosecutor. Et en anglais, c'était une English, un draft de traduction. Was, translation draft, I believe. Donc en anglais, le numéro so ERN, English, ERN 00 18 18 33 33 93 93 jusqu'à up to 00 18 00 34 08 3408, mais avec la mention draft. But with the mentioned draft. Je n'ai pas de version française. I do not have any French version, however. We have the French translation. Traduction en français. Of 00 29 28 68 to 00 29 28 86. And this is introductory submission, annex C, document 13.2. C, document 13.2, dans le réquisitoire, dans le réquisitoire introductif.
Can you confirm whether the securities in office in DK, how many were they and what were they classified as? Combien y avait de bureaux de sécurité dans le Kampuchea démocratique et de quelle manière étaient-ils classés? L'accusé. Your Honor. When I came to ECCC, lorsque je suis arrivé au CETC, the other security offices other than S21, les autres bureaux de sécurité autres que S21, I only know the security office in Kampong Thom. Je ne connaissais que le bureau de sécurité de Kampong Thom. Of the central zone, sous la supervision de la zone centrale. Overseen by my brother-in-law. Donc supervisé par mon beau-frère. I know this security office very clearly because on the 1st of January 1976, I took my mother home and then I entered their security office. J'ai intégré ce bureau de sécurité. Because as his brother, I car had en tant to que pay son a visit, frère, to him. Je devais lui rendre visite. Second, the security office I know deuxièmement, also, le bureau the de sécurité office of sector 32. Que je connais est celui du secteur 32. Belong to the former Southeast zone, il later on appartenait identified à as l'ancienne the west zone, zone du sud-est, ultérieurement appelée la zone sud-ouest. La zone, pardon, l'interprète se reprend, la zone ouest. Plus tard, I know that this security office was named je sais que ce bureau de sécurité portait le nom de bureau 99. Donc M99. The reason I know because la raison pour laquelle je sais que mon supérieur m'a demandé d'envoyer Hamhin. To stay at that office, to be detained and to serve the sentence. Pour être détenu, pour purger there. Une peine là-bas. In conclusion, before I came to ECCC, I only had known CETC, two other security offices, just two. Deux bureaux de sécurité, juste deux bureaux. Then I have learned that security offices ensuite, j'ai eu connaissance du fait que les bureaux de sécurité existaient dans d'autres endroits. De nombreux autres bureaux de sécurité existaient dans d'autres endroits. Ce n'est qu'après que je l'ai appris. The President, Judge Lavergne, le président intervient. You would like to make some Monsieur observation? Juge Lavergne, si vous souhaitez faire des observations, je vous en prie. Je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas encore un problème de traduction. Parce que je viens d'entendre à deux reprises que l'accusé a indiqué qu'il ne connaissait que deux bureaux de sécurité avant d'arriver au CETC. Est-ce que c'est bien ça ou est-ce que c'est avant d'arriver à... C'est ce qui a été dit? Vous avez dit ça? Avant d'arriver au CETC, vous ne connaissiez que deux bureaux de sécurité? You only knew two security offices before you came to the ECCC? The accused, Your Honor,
before I arrived to the ECCC, or au CTC, before avant I was au CTC, sent to the military ou alors court. Avant d'arriver à la cour militaire. Au Let tribunal me state militaire, further se corrige that l'interprète. I know a police office in the Kampong Thom sector. J'aimerais aussi ajouter que je connais un bureau de police dans le secteur de Kampong Thom. Because my brother-in-law supervised that office. Parce que mon beau-frère supervisait ce bureau de police. So I went in there to visit him as Par conséquent, je m'y suis rendu private individual. Pour lui rendre visite It was not en tant an official que visit. Particulier. Ce n'était pas une visite officielle. Second, the office M99. Deuxièmement, en ce qui concerne du bureau M99, was Under the order of my superior, Professor Sun Sen. Ce bureau était contrôlé par mon superviseur, Professeur Sun Sen. Order me to send the victims of the M13 Et il office m'a ordonné to d'envoyer that M99 les office. M13 au bureau M99. That was the order from my superior, which Et ça, c'est I l'ordre implemented. Que j'ai reçu de mon superviseur, que j'ai en effet mis en œuvre. I also would like to state that the office M13 was still part of the special zone. M13 faisait partie de la zone spéciale. And it ended on the 30th of April. Et 1975. Que le 30 avril 1975. When I sent a few of the prisoners to that office Lorsque by the j'ai order. J'ai envoyé quelques prisonniers à la suite d'un ordre que j'ai reçu. And for the office M99, it existed Et from the du bureau M99, from the previous time, and it was still operational at the time. Depuis un certain temps, il était toujours opérationnel. It belonged to the West Zone. Il dépendait du secteur West. So it was a separate. It was a separate unit, and there il was s'agissait donc d'une no unité horizontal communication séparée with that office. Et il n'y avait pas de communication horizontale avec ce bureau dans la mesure où il s'agissait d'une zone séparée. You haven't yet stated what is the category of the S21 office. Vous ne nous avez pas dit de quelle catégorie dépendait le bureau S21. The accused, Your Honor. The S21 office Monsieur le juge, was under le the supervision. S21 était sous la supervision of Professor Sun Sen. Du professeur Sun Sen. The document dated 9th of October qui porte la date was a testimony to that fact. Octobre, d'ailleurs, vient appuyer cela. Toward the end of the page, or the last page, en bas it de la states, dernière page, il est mentionné. It was toward the end of the first page. Donc c'était à la fin de la première page. At number 6, it states. Au point numéro 6, il est dit. The interpreter would like the accused to repeat. L'interprète aimerait demander à l'accusé de répéter.
Trancotti. At number 6. Au point numéro 6. Says the accused. It reads. Dit l'accusé. Il est mentionné la chose suivante. Camarade Kiyou. Camarade Kiyou. In charge of the general staff and the security. Qui a la responsabilité de l'état-major et de la sécurité. And I would like to inform the chambers that Camarade Kiyou is Sunsen, Professor Sunsen. Que le camarade Kiyou est le professeur Sunsen. And also I would like to state that the documents at the S21 office. J'aimerais aussi déclarer que les documents de au bureau de S21 were those documents that I wrote and sent to my professor Sun Sen. Étaient ceux que j'ai rédigés et envoyés à mon professeur, Monsieur Sun Sen. And subsequently, they were sent to Angkor Nun Chie. Ils ont été envoyés à Angkor Nun Chie. Because he took charge after Professor Sun Sen. Dans la mesure où c'est lui qui a repris les responsabilités de Sun Sen. When Professor Sun Sen were sent or went to lorsque the front Sun Sen battlefield. A été envoyé ou alors s'est rendu sur le champ de bataille. That is all my response to you, John. Voilà ma réponse, Monsieur le juge. The President, Judge Lavange, the floor is yours. Il vient d'être fait référence à un document. Est-ce que nous pourrions avoir les références exactes? Je rappelle qu'il me paraît essentiel qu'on puisse avoir chaque fois qu'on cite un document ou qu'on se réfère à un document, qu'on puisse avoir les références exactes. The accused. I believed, Your Honor, require me Monsieur le juge, to si j'ai bien compris, refer to the actual documents que je from fasse the référence S21 office. Aux documents du bureau S21, n'est-ce pas? Vous avez indiqué, sauf erreur de ma part, que vous vous référiez à un document précis dans votre réponse. Est-ce que vous pouvez nous donner les références, la cote ou les numéros d'ERN de ce document? L'accusé. Thank you, Your Honor. Je vous remercie, Monsieur le juge. Asking me to provide the reference number of the document. Pour m'avoir demandé the le document numéro du document. The document le document est daté October, du 9 octobre 1975. Has the ERN number 00. La cote ERN est la suivante, 00. 019 108 108 up to 00 jusqu'à 00 019 019 126 1 2, 6. The contents that I talked about, it was in that ERN document. Le passage that is the dont ERN je viens de mentionner 000 figure sur ce document. Les interprètes signalent qu'il y a une interférence et qu'ils n'entendent pas le relais.
And the content that I referred to, that Professor Sun Sen was le my superior, auquel il it was fait on page figure. It was on the page with the ER number 00 019 019. It was on the first page of that document. Donc de la première page de ce document. That is my response to you, Your Honor. Voilà ma réponse, Monsieur le Juge. Je précise que en anglais, la page dont il est question I would like to add that the est appropriate le page 0 in English 0 0 0 8 1 3 8 3 9 3 9 3 et c'est toujours le paragraphe 6 and this is still et paragraph en français 6 0 the zero, ERN for the French 2, is 9 0 0 2 9 2 6 8 8 6 8 également paragraphe 6 toujours this is still paragraph 6 et bien en français la réunion du comité permanent du 9 octobre 1975. Judge, can you verify on the establishment of the S21, what were the duties of the S21? De la création de S21, à savoir quelles étaient les responsabilités de S21? Let me state that. Monsieur le Président, every Mesdames, Messieurs les Juges, office, j'aimerais vous dire que tous les bureaux de sécurité, including the S21 office, y compris le bureau de S21, had the duty to detain, avaient le devoir de garder en détention to torture and interrogate et d'interroger and finally to smash et enfin that is to kill de liquider à savoir il fallait tuer Judge Yasakon. Le juge Yasakon. The greffier, can you show the document j'aimerais demander au greffier number 0 de 0 montrer le document 00153467. Can you show this document on the monitor? Est-ce que vous pouvez afficher ce document à l'écran? Yesterday, you confirmed the initial location of the S21 office, où se trouvait le bureau de S21, which is at point qui A. Se situe au point A. At point A. Au point A. You
At that time, you also confirmed at that point A location, the chairman of the S21 office at the time was not. Que le directeur de S21 ne se and trouvait pas you were à cet deputy endroit, at the time. Et mais qu'à l'époque, vous étiez l'adjoint. L'interprète se corrige. C'est Nat qui se situait you also continued à cet to confirm endroit. That à ce moment-là, vous nous avez moved. Aussi confirmé que les locaux ont été déplacés through the big prison, the PJ prison, and later returned to that same location. PJ, what was the reason of moving? À cet endroit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer a number of times in this pourquoi, short period? Les bureaux ont été déplacés de façon sur une période aussi souvent sur une période si courte. The accused. I would like to inform the honor that j'aimerais aussi at that informer time, la chambre Nat was the qu'à chairman. L'époque, Nat était the le relocation président of the office was not consulted le, by him. Ce n'est pas lui qui avait décidé de déplacer les locaux. I would like to inform the honor that j'aimerais informer I, la chambre, what I'm going to say is just my analyst and my que je conclusion. Vais vous dire, c'est, ce sont mes réflexions personnelles et mes conclusions. When people were brought in to be interrogated, lorsqu'on at a point les a, gens pour être interrogés au point numéro au point A. Between Street 360 and entre la rue 360 et la rue 163. It was a residential house. Il s'agissait d'une résidence, d'une maison. So it was difficult to supervise and manage donc, the il était difficile prisoners de gérer during et the interrogation. De contrôler les prisonniers pendant leur interrogatoire. Therefore, Nat relocated par conséquent, it to the PJ prison. A décidé de déplacer ses locaux vers ceux de la PJ. This is my conclusion made voilà by myself. Voilà mes propres conclusions. And the relocation from the PJ et to the point A location des locaux de la PJ pour revenir à l'endroit A was because the superior ordered so. Parce que le superviseur l'avait ordonné. At that location, it was in open, and the Chinese visitors could c'était see it. C'était un endroit ouvert, et les visiteurs chinois pouvaient voir ce qui se passait. That is what I can tell you, Your Honor. Voilà ce que je peux vous dire, Monsieur le Juge. Yesterday, you stated about the structures on organizing vous nous avez parlé S21 de la structure et de la façon dont S21 a été organisé sous la présidence de NAT. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou nous préciser quand est-ce que NAT était le président de S21, comme vous l'avez dit précédemment? Est-ce qu'il y avait une structure organisationnelle qui était été utilisé à l'époque à S21. Je me réponds à l'autre
the accused. Réponse Your de Honor, during the time when Nat was the chairman, Monsieur le juge, lorsque Nat était président, je ne lui ai pas organizational chart, parlé and I did ou je ne lui ai pas demandé l'organigramme de la structure. Je ne savais pas quelles étaient les forces qui étaient sur S21 et c'était sous la supervision de Nat et je ne souhaitais pas intervenir ou m'ingérer dans l'organisation. Par conséquent, je ne faisais que ce que l'on me disait. En conclusion, je peux vous dire all kind of daily que work, le travail was under au quotidien était contrôlé par le camarade Paul Va, à savoir la troisième personne qui avait cette responsabilité dans la phase initiale. Le nom, l'interprète précise, or. Voilà ma réponse, monsieur le juge. Question. Yesterday, you stated that the staff at S21 were brought in from Division 703, avait été amené de la division 703, the secret forces. Et when you brought them secrètes from de M13, lorsque vous avez apporté ces personnes, est-ce que vous avez fait venir les experts de M13 qui faisaient du bon travail lorsqu'il s'agit d'interroger, ou alors est-ce que vous avez fait venir d'autres personnes comme GATT? Your Honor. Réponse. The combatants and cadres, Monsieur le juge, cadres from M13, les combattants et les cadres de M13 were mostly interrogated into the interrogation section. Par la section d'interrogation. I would like to say again. J'aimerais vous dire encore une fois, pour moi, que cela soit clair, à des fins de traduction. The cadres, combatants from M13 les cadres et les combattants de M13, the majority of them were la majorité included de in ces personnes the interrogating unit faisaient partie team. De l'unité ou de l'équipe qui s'occupait des interrogatoires. Quelques autres personnes avec qui je travaillais. C'était there mes messagers. Two of them. Il y en avait deux. Other than these people who were appointed en plus as my de messengers. Ces personnes qui étaient mes messagers. So that is about the composition of people. Voilà ma réponse s'agissant des personnes que j'ai fait venir de M13. Question. Do you still remember that people the interrogators brought in from M13, who were they? Des noms des personnes que vous avez fait des interrogateurs des personnes d'interrogatoire que vous avez fait venir de M13. Response, Your Honor. Réponse. People who were brought Monsieur le from juge, M30 and worked in the interrogating s'agissant des personnes que nous avons fait venir, que j'ai fait venir de M13 et qui faisaient partie de l'équipe d'interrogateurs, j'aimerais vous faire mention des noms suivants. Number one, personne Brother numéro Mon un, Nai, alias Prada Chan. Moi Nai, alias Chan. Number one, Brother Mom Nai, alias Frère Mom Chan. Nai, alias Chan. Yesterday, I clearly stated about these, and later on, indiqué ces données.
I used this individual. Et par la suite, j'ai utilisé cet individu. Later on, I used this person. Et par la suite, j'ai person donc utilisé cette personne the Vietnamese prisoner à des fins d'interrogatoire, et c'est lui qui a interrogé les prisonniers de guerre vietnamiens. And as my assistant. Et aussi comme assistant. Pon is was the second person. Pon était la deuxième personne. This person was used to interrogate important or key prisoners from the very beginning until the end. Les prisonniers importants, et ceci du début jusqu'à la fin. Until the 7th of January 1979. That's what I'm saying. 1979. Voilà ce que je vous dis. Other comrades include. Je peux mentionner d'autres camarades aussi. People from des gens Tamalkop qui sont du village de Tamalkop et du village de. L'interprète n'a pas entendu le deuxième village. People from Tamalkop, les gens qui venaient de Trokop et Tropien. Tom Niep. And Tropien Trauk commune. Tropien est de la commune de Tropien. The village of Tropien Trauk. Le village de Tropien Trauk. Include as following. Et donc, je vais maintenant vous donner les noms. One, comrade On. Le camarade On. I think his first name was Kum. Je crois que son prénom était Kum. Number two, comrade Nan. Le camarade Nan. Pra-nan. Or Prak Nan. Ou alors Prak Nan. These people came from Tumniep and Tropien Trauk villages. De Tumniep et du village de Tropien. And other people were from Preichrau village. D'autres personnes venaient du village de Preichur. Including Sat. Y compris Sat Tut. Un. Chen. Mok Chen. Mok Chen. Mok Chen. And another person from Snul village. Et une autre personne du village de Snul. Mies. Le camarade Mies. Lui, il est décédé. And I can't remember other people. Maybe there et je ne me rappelle pas des noms des autres personnes. Et il y a peut-être d'autres noms, mais je ne m'en souviens pas. Question. Division 703 and les forces de la 703e division et les forces municipales, est-ce que ces personnes faisaient partie de l'équipe d'interrogateurs? Réponse. Your Honor, the people from le juge, the city were les personnes de la ville ont été intégrées dans l'équipe d'interrogateurs. Toutes ces personnes. People from 703, division 703, de la 703e division, et certaines de ces personnes ont également occupé les fonctions d'interrogateur, donc faisaient partie de l'équipe d'interrogateur. That's all. Voilà, c'est tout. Okay.
Question. Question. Appointed as the chairman vous avez été nommé directeur de S21. When were you appointed as that? As the chairman, à quel moment avez-vous été nommé au poste de directeur de S21 et en quel lieu? Réponse, Monsieur le juge. I think it, in mid of March, je pense au, à la mi-mars 1976. My superior asked me and Anna to work as demandé, usual. A demandé à Anna de travailler comme d'habitude. At that time, he said, now S21 should be given to Duke to oversee. À Duke pour qu'il dirige S21. Although the work may be slow, but it would be fine. Peut-être lent, le travail conviendra bien. So let comrade Deutsch handle it and let Nat Duke do other things. Et que Nat fasse d'autres tâches. That's what he said to us. C'est ce and qu'il later nous on, a dit ultérieurement. He went on to say that. Il a poursuivi en let, disant que comrade Nat. Que Nat finished his remaining tasks. Termine les tâches qu'il doit finir de faire. Therefore, people who order such donc, a transfer was qui ont laid down from my superior. Eh bien, ces ordres venaient de mon supérieur, Son Sen. And the location where quant I was lieu, assigned or appointed this position was at the normal working place. À cette tâche, eh bien, c'était, je me trouvais à l'endroit où je me trouvais d'habitude pour travailler. I think if you refer to the map, et donc you can si see that it was vous regardez le croquis, located at point B eh bien, in the map. On était donc au point B. Sur la donc, croquis, sur le croquis. That's all my response regarding this matter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette question. Question. The location in which you were appointed as the chairman of S21 directeur de was it at the corner of 163 and 360? C'est ça? C'est là où vous response, avez été nommé? Your Honor, that location. Which I was appointed as a chairman. Le lieu où j'ai été it was nommé the directeur. Location where I worked eh bien, with my superior. En fait là où je travaillais avec mon supérieur. On the map that I already plan. Stated comme before déjà déclaré, the office of co-investigating judges, devant it was le bureau on des juges d'instruction, et bien c'était au point to the B, north c'est-à-dire qu'il était situé au nord de Bourreille-Kella, du stade de Bourreille-Kella. Cette carte, ou ce plan, te corrige l'interprète. Judge Yasakon interrupts. Could the graphier put the map on the projector? Est-ce que
je peux inviter le greffier à replacer le plan sur le rétroprojecteur. Donc voilà, on peut voir le Russian Boulevard. Voici le point B entre la rue 320 et la rue 118. C'est à cet emplacement que l'on m'a nommé directeur. The villa that we worked in was labeled in rectangular on road 118 sur la rue 118. I'm sorry, Your Honor. Could the greffier just lower the map a little bit? Est-ce que le greffier peut faire en sorte que la carte soit un petit peu plus claire, qu'on puisse la voir plus nettement? Question. When you was the chairman of S21 office, was you did you start to organize the organizational structure immediately? Est-ce que c'est vous qui avez immédiatement mis en place la structure organisationnelle de S21? The co-prosecutor interrupts. Your Honor, the representative of the prosecution would like the accused to clarify the blocks in the map. L'accusé de nous indiquer plus précisément les pâtés de maison. A, B, C, D, donc chaque pâté de maison ou chaque emplacement A, B, C, D réfère à quoi exactement? We don't know car what nous ne savons pas à quoi réfèrent ces emplacements, donc à quoi réfère le bloc A, est-ce que c'est la gare, est-ce que c'est le ministère de la Défense ou alors le stade Borrega, est-ce qu'on aimerait demander à l'accusé qu'il puisse nous préciser un petit peu les choses. L'accusé. Mr. Co-prosecutor. Je vous remercie, Monsieur le coprocureur. I would like to confirm that je souhaiterais confirmer the label que A here, sur le plan, ici, it was the location when I was c'est le lieu. It was at the train station. Alors, c'est la gare ferroviaire. À Phnom Penh. De Phnom Penh. D-B. Second point B. Donc deuxièmement, point B. Is the location where I worked with professional Sun Sen since October. Sun Sen depuis octobre. From 1975 à partir de 75 et après. Until the 15th of jusqu'au August 1977. 1977. And point C. Et point C.
is the Borai Kaila? Indique le stade Borai Kaila. This Borai Kaila had a huge building et to the south. Au sud de ce stade, il y avait un grand bâtiment. Facing Street 182. Donc avec la rue, donc en face de la rue 182. This was the location Uncle Noon. C'était là où se trouvait Uncle Noon. Comes to work there. C'est là qu'Uncle Noon m'a demandé d'aller travailler later une fois on. Et à plusieurs reprises plus tard. I would like to state that Uncle Noon is Uncle Noon Chi, but in the party ranks he was known as Uncle Noon. Il était connu sous le nom de Uncle Noon. Next, could you please move a bit further to the top? Vous pouvez revenir en haut de la du plan. So the Soteros Boulevard, pour indiquer où se trouve un petit peu plus à l'ouest pour montrer où se, l'emplacement du boulevard de Soteros. Further. Un petit peu plus. That's it. Voilà. The G. G des temps de scène. The locations with the G. Alors, letter. Là où se trouve la lettre G ici. Is the Buddhist Institute where l'institut Uncle Noon frequently asked me to go Uncle and Noon work there. M'a demandé de travailler fréquemment. That is my response. Voilà to ma you, réponse Your Honor. À vous, Monsieur le Juge. Your Honours, I wonder whether it's possible to just put the ERN number of that map in the record. So far we have the other map, which also has A, B, C, D, so that there is no confusion. Can we mark the record with ERN 00153576? Thank you. The President, please include the ERN number in the transcript because this document had already been examined. Now the court declares 20 minutes adjournment and the court will resume at 11 a.m. 11 heures.